vais vous présenter un glitch sur le Lego de Fortnite qui va vous permettre d'avoir le grappin en illimité. Donc comme vous pouvez le voir, ici actuellement, il me reste 15 utilisations de mon grappin. Donc là, je suis à la moitié de sa vie. Donc maintenant, si je veux récupérer toute sa vie, ce que je vais devoir faire, c'est de créer un lit. Donc vous créez un lit n'importe où vous êtes, peu importe. Vous vous attribuez le lit, comme ceci. Ensuite, il va falloir que votre inventaire soit complet, soit plein comme le mien actuellement. Et là, vous allez déposer tout par terre. Donc c'est parti, pour déposer, hein, vous faites triangle X, etc. Vous déposez tout. Donc au final, il ne restera plus que le lance-grappin dans votre sac à dos. Si vous avez des amulettes, ça, vous pouvez les garder, c'est pas très grave. Donc maintenant que tout est par terre et que vous avez votre grappin dans votre sac à dos, là, vous mourrez, tout simplement, vous mourrez. Donc moi, je vais tout simplement faire réapparaître. C'est la même chose. Donc là, il y a un sac à dos qui s'est créé avec mon grappin dedans. Donc là, je fais réapparaître. Comme je me suis assigné un lit juste à côté, je vais réapparaître à côté, donc c'est parfait. Maintenant que j'ai réapparu, je vais récupérer tous mes objets. Voilà. Donc dans mon inventaire, on peut voir qu'il est quasi complet. Par contre, il va falloir le compléter au maximum. Donc pour le compléter, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer, enfin je vais diviser tout simplement, regardez, hop, je divise mes objets pour compléter l'inventaire. Voilà, comme ceci. Et là aussi, il va falloir remplir l'accès rapide. Si votre accès rapide n'est pas rempli, ça ne fonctionnera pas. Donc je vais tout simplement prendre une arme en plus. Et là, vous pouvez voir que j'ai tout mon inventaire qui est rempli. Quand c'est bon, là, vous allez récupérer votre sac, votre grappin va tomber par terre. Et là, vous allez voir que quand je vais le récupérer, on va lâcher une arme. Vous allez voir que quand je vais le récupérer, eh ben, le grappin sera rechargé. Donc hop, vous pouvez voir que mon grappin a récupéré toute sa vie et a récupéré ses 30 utilisations. Donc à chaque fois que votre grappin ne lui reste plus qu'une utilisation, là, vous le mettez de côté et vous faites ce glitch pour pouvoir récupérer la vie entière et toutes les utilisations de votre grappin. Et vous faites ça en illimité pour avoir un lance-grappin infini.